Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors on se retrouve dans ma cuisine. On va cuisiner le poulet au four et on va faire un très bon riz à côté. Alors j'ai fait une marinade assez différente. C'est une marinade de Jamaïcain. J'ai décidé de partager avec vous. Je vais vous montrer tous les ingrédients pour réaliser cette recette qui est très très délicieuse. Là, je vais d'abord commencer à diviser les poulets et ensuite je vais aller nettoyer. Là voilà, j'ai pris le citron, je vais bien nettoyer le poulet. S'il te plaît, le maman, il est très important de bien nettoyer les aliments que nous consommons tous les jours. Moi, franchement, j'aime bien prendre mon temps. Là, j'enlève le plume et je nettoie très bien avec le citron. Après avoir frotté avec les citrons, je vais juste aller rincer, juste pour m'assurer que le poulet est très bien propre. Maintenant, je vais mettre juste les lignes de partout, comme ça va permettre à mes ingrédients de bien pénétrer le poulet. Tout de suite après, je mets dans un saladier. Je vais prendre un papier essuie-tout. Je vais juste aller absorber tout de l'eau. Comme ça va me permettre de bien mariner le poulet. Je vais aller utiliser l'épice au pimento malve. Ça, c'est très important. Il ne faut pas manquer celle-là. C'est très, très important. Je vais prendre de l'ail. Je vais prendre le gingembre. Je vais aussi prendre du ciboulette. On va mettre du thym. Très, très important à ne pas manquer. Les citrons, du muscade. Si vous n'avez pas toutes ces épices, vous pouvez utiliser cette épice qui est déjà faite pour vous. On peut les trouver partout dans le grand marché. Ils en ont plusieurs marques, mais celle-là, c'est ma marque préférée. Vous pouvez toujours prendre de capture. Mais moi, j'aime bien faire mon assaisonnement toute seule. Je trouve que c'est plus bon en fait. Parce que là, j'ai le contrôle de ce que je mets et tout. Mais comme je vous ai dit, si vous n'avez pas toutes ces épices, n'hésitez pas d'acheter l'assaisonnement qui est déjà fait pour vous. Donc, vous aurez qu'à ouvrir et puis mariner le poulet. Là, je vais juste vite fait laver mes ingrédients. Et puis ensuite, je vais tout mixer.
Voilà, il faudra vraiment mettre une grande quantité de pimento malve. Là, je l'ai dit en anglais. Si je trouve le nom en français, je vous mettrai ça en barre d'information. Donc, c'est très important de ne pas manquer les pimento et le thym. Donc, c'est ce qui va faire que le poulet aura un différent goût. S'il vous plaît, il ne faut pas y manquer. Donc là, je viens de presser les jus de citron. Je vais mettre un piment. Mais si vous voulez plus de piment, rajouter, mais moi je vais mettre un sel et ensuite je vais juste aller mixer les tout. Voilà, et ensuite on va rajouter du muscade après. Là, je vais rajouter encore parce que la marinade doit devenir vraiment assez brun. Là, je vais rajouter aussi un peu de l'huile. Voilà comment le poulet est juste très très propre. Là, je suis prête à pouvoir commencer de mariner. Et à part ces épices que j'ai mixées, si vous avez d'autres épices que vous aimez bien, sentez-vous libre de rajouter. Mais la base, c'est ce que je vous ai montré dans le mixeur. Là, je vais mettre juste un peu de sel. Et après, je vais rajouter les bouillons de poulet. Là, je suis juste en train d'écraser le muscade. Et ensuite, je vais mettre les ingrédients que j'avais mixés. Donc, si vous avez les gants, utilisez les gants. Moi, je vais utiliser mes mains. Comme ça, je vais bien masser. Comme ça, mes ingrédients vont bien vraiment pénétrer le poulet. Et ensuite, je vais rajouter un peu de l'huile et un peu de bouillon de poulet. Et voilà, c'est fait. Si vous avez le temps, faites ça le matin ou la veille, laissez ça dans la marinade. Oh là là, c'est trop trop bon. Mais moi, je n'avais pas le temps, donc du coup, je vais mettre au four. Voilà à quoi ressemble l'assaisonnement, les goûts de ça. C'est très 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 bon. Alors, ce que je vais faire, je vais aller placer dans ma casserole de four et ensuite je vais les couvrir avec le papier aluminium. Comme ça va cuire tout doucement pendant 1 heure du temps. Comme ça, le poulet va devenir super tendre. C'est ça même l'astuce. C'est très important de couvrir le poulet. Si vous voulez avoir un poulet vraiment tendre, couvrez-les avec papier aluminium. Et après, on va les sortir. On va l'étaler dans un plateau. Comme ça, on va essayer de le bronzer. Là, je vais mettre au four pour 1 heure du temps à 375 degrés Celsius. Comme ça, mon poulet va devenir super tendre. Voilà, 1 heure plus tard, le poulet est juste bien cuit. Donc, du coup, je vais les transférer dans un gris.
Comme ça va bien bronzer. Et je vais juste récupérer ce jus que vous voyez. On va faire le riz avec. Là, on va remettre au four, on va réduire la température à 350 degrés au lieu de 375. Je vais laisser ça pour 40 minutes et puis après ça serait prêt. Là, voilà, c'est déjà prêt. Je vais juste aller retirer. Donc, vraiment, vous voulez que le poulet soit vraiment assez brun. Voilà, comme ça, vraiment. Oh là 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 là. Et c'est super tendre. Après, c'est là, on va attaquer les riz. Voilà, là je vais récupérer le jus, je vais juste aller mettre dans une casserole et je vais rajouter aussi les bouillons. Mon bouillon, moi je l'achète chez Costco. Voilà, celle que moi je prends, ce n'est pas salé, mais tout dépendra de vous. Je vais rajouter un peu de ciboulette et puis le thym. Et après, je vais rajouter encore un peu de bouillon parce que celle-là était presque finie. Donc, je rajoute un peu. Et ensuite, je vais prendre l'haricot rouge. Oui, l'haricot rouge. Voilà. Je vais aussi aller mettre. Et là, c'est l'opportunité pour vous de goûter au sel. Si vous n'êtes pas satisfait, rajoutez les sels. Si vous êtes satisfait, vous pouvez passer comme moi, j'étais satisfaite, donc du coup, je n'ai plus rajouté le sel. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Et là, c'est l'heure pour moi de rajouter mon riz. Voilà, je vais rajouter le riz. Faire très attention avec de l'eau. Alors, si vous mettez 2 tasses de riz, mettez 3 tasses de l'eau. Faire très attention, ne pas déborder avec de l'eau. Là, voilà, après avoir mis, je vais juste bien tourner. Juste pour m'assurer que tout est bien mélangé. Et ensuite, je vais juste aller couvrir avec le papier de cuisson. Pour les gens qui me demandent où trouver les papiers, le papier de cuisson, on peut les trouver là où on trouve le papier aluminium ou dans la section où il y a les choses de pâtisserie. Vous allez trouver ça là. Donc, chez les Chinois, même chez Walmart, dans le grand Carrefour, vous pouvez toujours trouver les papiers de cuisson. Donc voilà, franchement, ça aide à bien cuire le riz. Regardez comment c'est bien cuit à la vapeur. Franchement, très très top comme astuce. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas. Je pense que même sur Amazon, si vous voulez, je peux vous laisser le lien pour vous faciliter la tâche. Donc là, voilà, il est prêt. Je vais réduire le feu à 1 pour 15 minutes, comme ça va cuire un peu plus. Voilà, là c'est prêt. Je vais juste aller servir. I can hear the wind chime.
Alors, je vais vous montrer comment le poulet est juste juicy. Regardez comment c'est juste tendre. Là, moi, je vous laisse. Merci d'avoir suivi. Je fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouvelle. Laissez vos commentaires, vos likes et partagez avec les autres. Je fais des gros bisous. Bye!